Donc le numéro 4, une fille de Blue Brézy et Audi, présentée par Jacques Cyprès, qui s'appelle Cercissoise. Donc fille du jeune étalon Blue Brézy, dont la première production a 3 ans, qui a déjà sorti d'ailleurs une bonne lauréate en plat, en AQPS au Lion d'Angers, je la connais bien, elle s'appelle Babylon Demotte, déjà partie en Irlande chez Woody Mullins. Alors un cheval Blue Brézy dont on dit le plus grand bien, qu'on attend un peu sur les longues distances, bien qu'il ait sorti un bon cheval de 1400 mètres chez Corinne Barbe, qui vient de gagner récemment à Deauville. Donc la souche maternelle, on la décortique un petit peu, enfin en tout cas rapidement. La mère, sœur de Kikodi et Udi, deux très bons vainqueurs en obstacle. La famille de Ucello 2, le crack inoubliable, Ucello 2. Eh bien en fait, elle est arrivée il y a 2 ans, enfin 3 ans exactement maintenant, puisque la pouliche a 2 ans. À l'issue du succès de Audi, la mère, dans ce concours, eh bien, elle avait reçu, à ce concours de 2-6, elle avait reçu une saillie gratuite, enfin, son éleveur avait reçu une saillie gratuite, bon, pour Audi, offerte par Hervé Bunel. Et 3 ans plus tard, voilà l'animal, né, qui se présente, qui a beaucoup de races, qui est très signé, quand même, Vidéo Rock, hein, dans son modèle. Une mère par quart de vin, et donc ce fameux Blue Brésil, fils de Smadoun, cheval qui a fait une excellente carrière en plat et en obstacle. Alors on sait tous la façon dont a été menée sa carrière, hein, un peu particulière. Bon, son défunt entraîneur Pierre Coste n'en pouvait pas grand-chose. Il recevait des ordres qui l'obligeaient à débuter notamment Blue Brésil directement dans un groupe à Auteuil. Il en a terminé deuxième. Performance tout à fait remarquable. Et voici donc cette grande souche d'AQPS.